Bonjour à toutes et à tous, je suis hyper heureuse de vous retrouver dans ce cadre magnifique au sein de la nature. J'avais envie de vous communiquer quelques petites anecdotes sur les êtres de la nature. Vous aurez bien compris que ça fait complètement partie de mon univers et que je suis très liée aux êtres de la nature, ces petits êtres de légende que l'on croit appartenir aux contes de fées et qui, malgré tout, existent bel et bien, en tout cas dans ma réalité et dans celle de beaucoup d'entre nous, et qui ne cherchent qu'à se faire connaître, à se faire comprendre. Et ils sont toujours beaucoup, beaucoup de curiosité vis-à-vis de nous-mêmes, autant qu'on peut en avoir envers eux. Ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai, donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mes débuts dans l'énergétique ont été un petit peu chaotiques. Si vous n'avez pas encore lu les histoires que j'ai pu écrire à ce propos, je vous propose d'aller sur le site internet nouvellevibration.com, dans lequel j'ai créé une rubrique récits presque extraordinaires. Et donc, ce sont des récits qui racontent toutes mes expériences d'enfance, qui ont parfois été vraiment très effrayantes. Et donc, j'ai commencé ma vie dans l'énergétique et mon contact avec l'invisible d'une façon vraiment très effrayante. Et donc j'étais bien loin des fées, des lutins, des elfes et tout ça. J'étais bien plus proche des entités errantes, des esprits errants qui étaient en grande souffrance et qui avaient simplement besoin d'aide. Et c'est pas du tout la même énergie, c'est pas du tout la même approche. Malgré tout, il m'est arrivé quelquefois quand j'étais enfant de voir ou de capter des petites choses qui me laissaient penser que là, quand même, cet arbre dans le jardin, j'ai l'impression qu'il y a des petits êtres lumineux dedans. Je me souviens avoir vu comme une petite barre, vous savez, comme une petite gélule brillante en pleine nuit dans ma chambre dans le noir, et m'être dit un jour, waouh, ça se trouve, c'était une fée. Eh bien, oui, je pense que c'en était une. Mais à cette époque-là, j'étais pas encore totalement capable de ressentir les choses correctement, et surtout pas ces vibrations-là qui étaient bien plus élevées que ce à quoi j'étais habituée à l'accoutumée. Et plus j'ai finalement apprivoisé cette part d'existence, cette part de l'invisible, plus je me suis rendu compte qu'en étant connectée à ce monde-là, à cette vibration des êtres de la nature, la nature autour de moi, les végétaux n'avaient même plus la même allure, les animaux n'avaient même plus la même allure, je n'avais plus le même regard vis-à-vis du monde qui m'entourait. Et c'est un regard que je conserve aujourd'hui parce que vraiment, ça rend tout absolument magique. J'ai l'impression de vivre mon quotidien dans Avatar ou dans vraiment les films de contes de fées. Je vis plus ou moins dans un Seigneur des Anneaux ou dans un Hobbit sans le Sauron, même s'il existe quelque part, je capte pas Sauron. Mais au-delà de ça et au-delà de ces références-là, j'avais envie de vous partager des petites découvertes que j'ai faites au fur et à mesure, que j'ai faites au fur et à mesure de mon épanouissement spirituel, intuitif, et ce que j'ai pu comprendre et capter des élémentaux. Notamment, ma première vraie approche avec un être de la nature, c'était avec un proche, je lui faisais un soin. Et c'est vrai que 3 jours avant, je sentais que j'avais besoin, absolument besoin de regarder le Seigneur des Anneaux, de regarder le Hobbit, voilà, de me plonger dans cette ambiance-là. Et c'était un besoin plus qu'une envie. J'avais absolument besoin de les regarder, ces films-là. Et puis, donc quelques jours plus tard, je fais un soin à l'un de mes proches. Et là, je vois apparaître 5, 7 elfes, 7 elfes autour de la table de soins. Et je les voyais vraiment distinctement, je voyais distinctement. Quand je vous dis que je les voyais distinctement, c'est que je les voyais avec mon troisième œil, pas mes yeux physiques. Je n'étais pas capable de les voir comme je pourrais voir la caméra en face de moi, mais je voyais bien où ils étaient placés, je les sentais, il n'y avait aucun problème. Et j'ai pu discuter avec des elfes ce jour-là. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est qu'il y avait vraiment cette signature, ce caractère qu'on peut retrouver dans les films de Tolkien, où les elfes sont très droits, très rigoureux. Ils vont rarement à gauche s'ils ont décidé droite, et rarement à droite s'ils ont décidé gauche. Ils sont vraiment très stricts et très, comment dire, ils ont une grande rigueur.
une grande rigueur, une grande retenue. Ils sont très gracieux, ils sont magnifiques. Ils ont beaucoup d'amour en eux, bien sûr, ils sont très lumineux. Mais ils ont ce caractère, cette caractéristique intéressante de la rigueur et du côté un petit peu hautain, malgré tout. Et pour ceux qui ont vu les films de Tolkien, je suis sûre que vous allez reconnaître un petit peu de quoi je parle. Parce que les films de Tolkien, il faut pas oublier qu'ils ont été... que Tolkien est très, très connecté. Et cette personne-là n'a fait que canaliser des informations bien existantes. Et à mon avis, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout de ce qu'il a réellement exploré de par ses capacités intuitives. Mais en tout cas, ce sont des films qui sont vraiment très fidèles à la réalité. Et donc ce jour-là, pour vous montrer avec quelle puissance j'ai découvert l'existence des êtres de la nature, c'est que pendant que je faisais le soin à ce proche, je me disais, mais est-ce que je suis en train de rêver? Est-ce qu'ils sont vraiment là? Je ne comprends pas. On verra. Et vu que c'était un proche, j'ai pas eu trop de retenue de lui expliquer à la fin que j'avais vu des elfes et qu'ils avaient posé leurs mains à tel endroit. Je lui ai localisé les endroits précis où les mains avaient été posées et moi je ne touche pas la personne quand je fais un soin. Donc ça ne peut pas être des traces de... il ne peut pas y avoir de traces de ma main, il ne peut pas y avoir quoi que ce soit. Par contre, j'étais placée au niveau de la tête et je voyais vraiment les mains des elfes posées. Donc je le dis à ce proche. Et en fait, celui-ci a regardé au niveau de son ventre et là, on a vu qu'il y avait des traces de mains sur sa peau, vraiment. Et ces traces de mains étaient placées exactement là où je les avais vues par rapport aux elfes en question qui étaient venus m'aider dans ce soin. Et ce jour-là, j'ai pris conscience. J'ai pris conscience des choses, j'ai pris conscience non seulement de mon intuition qui s'affinait de jour en jour, mais en plus de l'existence des êtres de la nature que je remettais encore en doute jusqu'à ce jour. Et ça a été la première expérience. Et puis j'ai eu d'autres expériences, notamment une approche de la géobiologie. Je faisais un petit peu de géobiologie à l'époque. J'en parlerai peut-être un autre jour, mais je vous laisse faire des recherches sur ce qu'est la géobiologie. C'est finalement le soin de l'habitat, le soin des lieux, le soin énergétique des lieux. Et donc je faisais un soin à un lieu et là je vois un elfe arriver. Et encore une fois, le soutien des elfes. Je trouve ça génial parce que il y a tout de suite toute une ambiance, il y a tout un contexte. Les elfes ont cette capacité d'apporter une sagesse et d'apporter un savoir incroyable. Il m'a donné plein d'informations sur le lieu, des informations qui se sont vérifiées auprès du propriétaire par la suite. Il m'a appris beaucoup de choses. Cet elfe-là m'a appris beaucoup de choses sur ce que j'étais en train de faire, la géobiologie, etc. J'ai trouvé ça génial. D'autres expériences. Les fées, par exemple, on va parler un petit peu des fées, des caractéristiques des fées. Elles sont vraiment telles qu'on les imagine, très joviales, très dansantes, très gracieuses. Elles ont cette lumière, ce lien aux végétaux, ce lien aux animaux qui est incroyable. Souvent, les fées créer des amitiés très fortes avec des animaux. Vous allez parfois ressentir, par exemple, la présence d'un animal comme s'il y avait une énergie d'un lapin, d'une souris. Et en fait, cette énergie-là que vous avez autour de vous, eh ben non, c'est une fée. C'est une fée qui utilise cette approche animale pour que vous puissiez la ressentir, parce que ça vous parle, parce que cet animal vous parle. Mais au final, c'est une fée qui est là, simplement une fée qui a appris à se comporter comme un animal parce que c'est son meilleur ami et parce qu'elle est tout le temps avec cet animal. Les fées sont de vraies jardinières, elles savent manipuler les éléments, aider à grandir les végétaux. Elles sont merveilleuses, très... Voilà, les fées, c'est vraiment... Si vous avez un petit coup de mou un jour et que vous ne vous sentez pas très bien dans votre peau, appelez les fées, elles sont là pour vous. Elles sont magnifiques. Sinon, les lutins. Les lutins sont merveilleux aussi parce que très enfantins. Les lutins sont très très liés à l'enfant intérieur. J'ai notamment eu l'expérience un jour de découvrir un lieu à Brocéliande avec des amis. Et l'une des amies était finalement... L'une de ses amies avait un lutin avec elle qui s'amusait avec elle et d'un seul coup,
On n'a pas compris ce qui s'est passé. Elle s'est mise à danser, à rigoler, à sauter par-dessus les flaques d'eau, à sauter dans les flaques d'eau, et puis à se cacher derrière les arbres, etc. Et alors là, c'était génial parce qu'on a compris qu'elle était vraiment en train d'incarner l'énergie du lutin, le caractère du lutin, qui est très très enfantin, très joueur. Et pour vous qui peut-être avez du mal à reconnecter avec votre enfant intérieur, n'hésitez pas à vous connecter au lutin, à vous connecter au caractère, à l'énergie des lutins. Car là vraiment, ça va vous faciliter la tâche vitesse grand V. quels autres élémentaux m'ont marqué? Les nains. Les nains. Les nains sont vraiment très rigolos. Je me souviens de mon premier appartement qui était juste à côté de caves troglodytes. Les nains, il faut savoir que comme dans Tolkien et comme dans les films de Tolkien, ils vivent au sein des montagnes, au sein des roches, ils vivent vraiment dans la terre. Et donc il y avait donc ces caves troglodytes à côté de l'appartement. Et ce jour-là, j'étais seule, mon conjoint n'était pas là. C'était un soir au moment de dormir, je me sentais pas très en sécurité, j'étais pas très à l'aise. Et je sentais qu'il y avait toute une galerie de nains à côté. Je le sentais depuis déjà quelques mois qu'on était là. Donc je me dis bah je vais leur demander de l'aide. Donc j'appelle un nain. Et je commençais à bien les entendre à ce moment-là, je commençais à bien capter leurs paroles. Et donc je demande à un nain s'il accepte de protéger la chambre et de garder la chambre, et à un deuxième nain s'il accepte de protéger et garder le portail. Et là j'entends « oui ». C'est tout. J'entends « oui ». Et elle me dit « bon ». Pas l'air de très bon poil, mais je sentais qu'il avait envie de le faire, qu'il n'y avait pas de problème, il se mettait déjà en place, il avait déjà, voilà, il octroyait déjà son rôle, et donc je lui propose bien sûr, en échange de ce service, de lui rendre un service, lui, au moment où il en aurait besoin, ou de toute sa famille, si besoin, aucun problème. Et à chaque fois que je lui posais une question ou que je lui demandais quelque chose, c'était « d'accord, non ». Mais vraiment... Voilà quoi, pas trop commode. Et les nains ont tendance à être comme ça, un petit peu rustres, un petit peu brutasses, comme j'aime bien le dire. Et c'est très touchant. Ils sont très touchants, ils sont très... Voilà, les nains, effectivement, sont pas très bavards. C'est pas eux qu'il faut demander des montagnes d'informations. Mais vous reconnaîtrez l'énergie d'un lutin dans ce côté un petit peu bougon, ronchon, mais très dévoué malgré tout. Ils sont adorables et ils sont... merveilleux. Si je vous parle de tout ça, c'est vraiment parce que j'ai plaisir à vous communiquer des petites anecdotes sur les êtres de la nature. J'ai bien conscience que c'est une vidéo qui, pour vous, n'a d'intérêt que de curiosité, mais en même temps, je pense que ça peut être utile malgré tout si vous tentez de vous connecter avec cette vibration des êtres de la nature, des élémentaux, et que vous êtes intéressé, que vous avez envie de vous connecter à tout ça, parce que vous allez en savoir un petit peu plus sur leurs empreintes énergétiques et sur leur fonctionnement, sur les émotions qu'ils peuvent éveiller en vous, notamment parce qu'ils sont. Les nains, par exemple, vont avoir tendance à être un peu plus ronchons. Comme je vous le disais, les elfes, un petit peu plus rigoureux, droits. Voilà, on est carré. Les fées vont être très dansantes, très joyeuses. Les lutins, dans la joie, mais une joie d'amusement, une joie enfantine. Et tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir ressentir quand vous entrerez en contact avec eux. Et entrer en contact avec eux, ça signifie avant tout de vous connecter à cette vibration-là, vous connecter à eux, à leur existence, mais aussi, faire appel à leur capacité, faire appel à leur service, leur demander s'ils veulent bien vous aider, vous venir en aide. Et grâce à ces ressentis, grâce à cette intuition que vous allez développer, et donc à ces petits éléments que vous aurez en connaissance, et bien vous connaîtrez peut-être un petit peu mieux la nature de l'être de la nature qui se propose juste devant vous et qui propose ses services. Dans le sens où, effectivement, eh bien, parfois vous allez appeler un lutin, mais en fait, ou vous allez appeler une fée, mais en fait c'est le lutin qui va venir parce qu'il veut vous faire une farce, parce que les lutins font beaucoup de farces, ils sont très rieurs, ils font beaucoup de blagues. Eh bien, si vous êtes attentif ou attentive à cette petite signature énergétique, vous allez tout de suite comprendre que non, là c'est pas une fée qui est arrivée, c'est bien un lutin qui a envie de vous faire une farce.
Et voilà, c'est vraiment ce plaisir-là de vous partager ces petites histoires. Les êtres de la nature sont très demandeurs d'attention. Ils aiment beaucoup quand les humains s'intéressent à eux. Et donc, ils font tout pour nous faciliter la tâche. Donc, vraiment, à chaque fois que j'ai fait appel à eux, à chaque fois j'ai obtenu réponse, à chaque fois que j'ai eu besoin de leur aide, j'ai toujours obtenu leur aide. Toujours. Ils sont très liés à nous. Il ne reste plus qu'à ce qu'on sache se lier à eux. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'était un petit peu cafouillis et que je voulais vous transmettre des informations qui me venaient en tête comme ça. Si vous voulez soutenir mon travail, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne et pourquoi pas partager la vidéo. Si vous avez envie de me communiquer vos histoires d'êtres de la nature et ce que vous pensez, vous, de leur existence ou de comment vous les considérez et ce qu'ils ont pu faire pour vous dans votre vie, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je prendrai le soin d'y répondre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.